On doit parler dans le micro et tu dois écouter si on dit tout c'est bien. Bien ou c'est pas si bien. On dit bien parfois les choses et tout. Action. Cher correspondant, j'aimerais te parler de Argos qui était avant tout un entrepôt où les bateaux déposaient des bananes. Puis elles étaient vendues dans les quartiers des quais. Maintenant, c'est devenu un centre d'art contemporain. Et on apprend à faire des films. Bye bye, Susanna. Silence, moteur, ça tourne, action. On était avec des maisons de jeunes et Argos a proposé à nos maisons de jeunes de prendre des enfants du quartier, qui connaissent bien le quartier. Et le premier jour quand on est venu ici, on a déjà commencé à faire un film et on a fait avec des vieux caméras Super 8 en noir et blanc. Ici, on fait des films Argos Super 8 avec des pellicules. C'est de la pellicule. Et pourquoi elle s'appelle Super 8? Parce qu'elle fait 8 mm. Et une seconde, c'est quoi? C'est 24 images. 21, 24 ans, 5 ans, 6 ans. C'est ça. Thomas, sur ta caméra. Une, c'est beau. Ça, c'est la caméra Super 8. Et puis on filme comme ça. On a fait des cartes postales d'abord pour envoyer à des correspondants. Beaucoup de cartes postales. Puis les cartes postales en fait c'était sur des endroits du quartier. Celle-là c'était sur la Belonne. Celle-là c'était sur Argos ici. Et celle-là sur le monument pour les pigeons de la guerre. Voilà. C'est sur ça qu'on a filmé nos films. Test, la carte de Aiko. Hallo, ik ben Aiko. Ik ben 8 jaar oud. Ik woon in de Waardstraat. Die bij het monument van de oorlogsduif. Uit de Eerste Wereldoorlog. Het zaterdag sinds 1931. Dag, Aiko. La nuit Super 8 Night, on a montré nos films et on a montré plein d'autres films qui étaient réalisés en Super 8 qu'on avait choisi. Et à la nuit Super 8 Night, en fait, chacun avait un job. On avait le preneur de son, caméraman, régisseur, réalisateur. Au début, ça peut être compliqué, mais finalement, c'était facile. J'aimais bien faire des vidéos, mais c'était très difficile parce que la caméra, c'est vraiment lourd. Et en marchant avec la caméra et la tenir, et en fait, faut garder un œil ouvert, ouvrir, et regarder dans le petit trou, c'est difficile. Maintenant, on a appris. Donc c'est très facile maintenant. On a appris plein de choses, mais plus qu'à l'école. Les filles-là ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.